Blé goudé dans le salon feutré du directeur général de la police ivoirienne, l'image contraste avec le passé récent de l'homme dans les couloirs de la sûreté. C'est ici qu'il a séjourné en 2013 avant d'être extradé vers la Cour pénale internationale où il passera 9 années de sa vie. Revenu au pays le 6 novembre 2022 après son acquittement par la CPI en 2021, l'ex-leader des jeunes patriotes de Côte d'Ivoire semble avoir mis beaucoup d'eau dans son vin. Le 22 février dernier, il est allé dire merci au patron de la police de Côte d'Ivoire. De l'aéroport jusqu'à mon domicile, en passant par la place européenne du Poumon, vous avez vu tout ce monde qui a déferlé sous la pluie. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun incident. Gérer un tel monde avec un contexte que tout le monde sait, il était bon que je passe par là pour reconnaître ce qui a été fait et ce qui a été bien fait. Je suis donc venu pour dire merci au directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire et à tous ses collaborateurs et à toute la police de mon pays. À la sortie de ce huis clos entre le président du COGEP et le directeur général de la police, le général Youssouf Kouyaté, Dr Bogasako s'est réjoui des échanges entre les deux personnalités. Après toutes les tournées qu'il fait, cela fait donc 3 mois, il était bon qu'aujourd'hui il marque le pas et que nous venions rendre toute la reconnaissance, la gratitude au directeur général de la police nationale. C'est un homme de la République, c'est un soldat de la République. Il a fait son travail. C'est vrai que ça a été difficile, surtout pour moi qui étais président du comité d'accueil. On voulait être nombreux. Il a défini les principes, on les a respectés. Et tout s'est très bien passé. C'est un Charles Blé Goudé visiblement heureux qui est sorti des locaux de la sûreté.